Alors bonjour à tous, une nouvelle émission de 13 Inside et aujourd'hui on est à la présence du directeur de Hadik, David Dolce. Alors David, on te souhaite bien sûr la bienvenue. Ça fait maintenant la deuxième année que vous êtes partenaire du club et vous avez parrainé notamment cette année notre capitaine Hansen. Donc qu'est-ce qui a fait que vous avez souhaité prolonger l'aventure avec nous? Alors déjà, on est partenaire par le groupe depuis de très nombreuses années. Et donc c'est vrai que Hadik uniquement depuis 2 ans. Donc c'est vrai qu'on a voulu s'investir du coup un peu plus côté sportif. Moi notamment, je viens pas du 13, donc c'était un peu nouveau pour moi. Et donc ça nous permet nous d'être beaucoup plus proche de l'équipe, de parrainer le capitaine. Et surtout, pour nous, il y a un vecteur de valeur. Il représente vraiment les valeurs qu'on veut mettre en avant par notre activité. Bon, on sait qu'il y a de nouveaux projets, notamment le paddle à Escalquens, il me semble. Donc raconte-nous un petit peu là, parce que les paddles, ça marche pas mal. D'ailleurs, on fait un petit coucou à nos amis du Redes Paddle, avec qui on est en partenariat. Donc raconte-nous un peu le paddle. Alors le paddle, c'est vrai que nous on est venus, on a les clients qui ont porté le paddle d'Escalquens, sont venus nous voir. Hein. Et donc on les a accompagnés pour trouver le terrain, monter le bâtiment, trouver un investisseur qui permettait de porter le bâtiment. Et depuis, c'est vrai qu'on est très sollicité, nous de notre côté, pour développer ce type de bâtiment, parce que celui d'Escalquens, c'est une vraie réussite, marche très bien. Et nous, on a d'autres projets là, actuellement de paddle, on doit en développer un pas loin de la route d'Espagne, à La Compole, hein. Et on travaille sur d'autres projets, notamment en motoman. On commence à travailler dessus. Mais c'est qu'une petite part de notre activité, nous on fait beaucoup de bâtiments commerciaux. On fait des bâtiments industriels, on travaille pour des grands groupes, et des bâtiments tertiaires, on peut être amené à faire des bureaux également. Voilà. Mais on te remercie, un petit prono pour aujourd'hui? Je pense qu'on va garder l'invisibilité chez chacun avec un beau match nul. Mais on te remercie. Alors notre deuxième invité, Monsieur Vallès de Copi Sud. Donc Copi Sud qui est un partenaire de longue date du TO 13 et fidèle. Donc tu vas nous raconter un petit peu les grandes activités que vous avez au niveau du groupe. Bonjour. Oui, les activités, c'est lié à toute la bureautique. Nos clients sont des clients professionnels. On a à cœur de leur rendre service sur toutes les solutions qui concernent la partie impression, puisque c'est le métier historique de Copi Sud depuis plus de 45 ans maintenant, mais aussi des solutions plutôt intéressantes, surtout très actuelles, qui concernent tout ce qui est dématérialisation de factures. Donc on est sur un aspect réglementaire qui rentrera en vigueur dans peu de temps, donc il est important effectivement pour nos clients d'être présent sur cette partie-là et les accompagner pour avoir de la facturation conforme. Et ensuite, on a une partie téléphonie qui marche bien depuis 2 ans maintenant, qui nous permet effectivement chez nos clients de pouvoir honorer et apporter des solutions de téléphonie de 113 jusqu'au 3CX pour être performant et avoir des solutions qui fonctionnent et surtout avoir un partenaire comme Copi Sud pour les aider au quotidien. Sur toute la problématique technique. Voilà. Bah, on te remercie pour tout cet éclairage. Et un petit prono pour aujourd'hui? Un prono, forcément un peu chauvin, donc une victoire du Théo, même si ça va être très compliqué. Je pense que le temps, avec cette forte chaleur, peut jouer à notre faveur. Donc on est peut-être un peu plus habitué par les jours qui ont précédé. Donc ouais, petite victoire du Théo, très serrée, mais pour recoller un tout petit peu. Voilà. Un petit plus de points. Ouais. Allez, merci. Allez, notre troisième et dernier invité, Thierry Safon de la société Loco Carré. Il me semble que c'est la 5e année de partenariat au niveau du club. Ça passe vite, hein, Thierry? Vous êtes fidèle. Hein. Bon, quels sont un peu les nouveaux projets de Loco Carré? Parle-nous un peu de ta société. Alors oui, 5e année, c'est toujours aussi bien. Ça passe très vite, mais on n'est pas prêt de partir parce qu'on se régale vraiment. Alors les projets de Loco Carré, donc, ça fait maintenant depuis 2015 qu'on a évolué, qu'on a recruté, qu'on a grossi.
Et on a des spécialistes à tous les postes, que ce soit... Alors, on fait de l'immobilier d'entreprise, donc du conseil d'immobilier d'entreprise, que ce soit bureau, bâtiment d'activité, entrepôt, plateforme logistique. L'objectif, c'était d'avoir des spécialistes à chaque poste. Ça, c'est le cas, c'est fait. Et maintenant, on va essayer, dans les années à venir, étoffer un petit peu cette équipe-là pour rayonner un peu mieux sur l'agglomération et essayer de porter haut les couleurs de locaux carrés comme celle du Théo, tout simplement. Exactement. Donc, en fait, vous allez créer encore et étoffer votre nouvelle équipe mais pour être meilleur, comme le Théo. On l'espère l'année prochaine en Super League. Voilà. Merci Thierry. Un petit pronom. Alors, j'ai dit tout à l'heure que quand on a été ballon du match l'an dernier, on a fini par 53-0 pour le Théo. Cette année, j'y crois pas. Une victoire, ça suffira. Ça serait génial. Eh bien, on va le souhaiter. Oh, franchement, je suis très heureux pour les joueurs qui se sont battus aujourd'hui avec vraiment beaucoup d'énergie. C'était pas évident, quoi, c'était chaleur et on a su tenir ce bras de fer et le remporter. Le job sur la première mi-temps était bon et la seconde mi-temps, on a su le tenir ce bras de fer et c'était vraiment. Je suis fier pour eux parce qu'il y avait un gros boulot à faire aujourd'hui. On avait en plus une équipe un peu remaniée. Il y a des joueurs qui ont tenu la route. C'était un match de Super League de haut niveau et c'était pas évident. Et franchement, je suis fier. Et fier bon, pour le club, bien sûr, c'était une belle victoire. Et après, derrière, on a un peu rattrapé les points qu'on avait laissés en début de saison, de battre les premiers, là, invaincus. Donc voilà, c'était une bonne chose pour nous, pour le club, et un bon pas pour aller chercher la deuxième place. Et on verra la première plus tard.